Préparez-vous à vous battre. Une amulette de ma... La patience n'est pas mon fort, mais très bien. Je vais vous tuer.
Vous m'avez traité. Bien. Allons trouver des adversaires à affronter. Oui. La patience n'est pas mon fort, mais très bien. Oui, bien. Allons trouver des adversaires à affronter. Hein? La patience n'est pas mon fort. Mais très bien. Hé ! Je suis de votre côté. Je vous trancherai la tête. Oui. Bien. Allons trouver des adversaires à affronter.
La patience n'est pas mon fort, mais très bien. Vous mettre en pièces.
Allez. Hé, faites attention. Non. Pas ça. Deux à partir. Yeah. Assez. D'accord. Les bêtes sont de retour. Faites vos prières. Oui. Bien. Allons trouver des adversaires à affronter. La patience n'est pas mon fort. Et très bien. Je vais rester ici. Yeah!
tuer. Je peux vous aider ? Bien. Allons trouver des adversaires à affronter. Oui. La patience n'est pas mon fort, mais très bien.
La patience n'est pas mon fort, mais très bien. Vous savez faire ?
Bien. Allons trouver des adversaires à affronter.
Faites attention! Ces deux-là ne poseront plus de problème. Ils ont finalement. Ils craignent d'attaquer Yorvask. Nous avons neutralisé la plupart d'entre eux. Mais je crois que. La main d'argent. Ils ont finalement eu le cran d'attaquer Yorvask. Nous avons neutralisé la plupart d'entre eux. Mais je crois que quelques traînards s'en sont sortis. Où étiez-vous ? J'espère que c'était important. Parce que vous n'étiez pas là pour le protéger. La main d'argent. Ils ont finalement trouvé le courage d'attaquer Yorvask. Nous les avons repoussés, mais... Le vieux Kodlak... est mort. Non, mais ils ont emporté tous nos fragments de Vutrad. Mais on va les récupérer, vous et moi. Nous allons les combattre dans leur camp principal. Et pas un n'en réchappera pour raconter son histoire. Seuls les chants de Yorvask se feront entendre. Nous vengerons Kodlak. Et ils trembleront de terreur avant de périr. Congédié ? Que se passe-t-il ? Je manie ma lame si bien que vous ne soutenez pas la comparaison ? Je plaisante, camarade. À bientôt. Si vous avez besoin de broyer quelques crânes, je me ferai une joie de vous aider. Si c'est un mercenaire que vous voulez, ne cherchez plus. Il n'y en a pas de plus costaud que moi dans tout bord de ciel. Nous allons leur faire payer. Je m'occupe des guerriers de Yorvask depuis toujours. Faites-les saigner! Ne faites pas de quartier. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldberry, il...
Thank you.
Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. J'ai appris que vous aviez tué ces ignobles sorcières. Bravo, compagnon. Venez à Fordrad. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Vous savez. Si. Vous en avez les capacités, vous devez. Et rejoindre l'académie de Fort Hiver. Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée. Génial! Vous voulez pas être mon père? Maudit sombrage! Je peux vous conduire à n'importe quelle capitale. Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Je ne peux pas attendre ici indéfiniment.
Je suis las de toujours devoir voyager. Les routes de bord de ciel mènent à de nombreux dangers. Si vous n'avez pas l'intention de résoudre ce problème de cauchemar, parlez divin. Je n'ai nul besoin de vous. Articles, marchandises de toutes sortes. Venez vous faire plaisir.
voulez, hein?
Il est temps d'en... Sors et pitié de vous!
crois avoir entendu.
à mourir. Vous allez faire. Vous n'avez aucune chance. Au secours. Vous ne quitterez jamais pas.
Thank you.
satanée coup du sort. Coincé ici, bloqué. Ma mère, ma pauvre mère. Immobile. Pas moyen d'avancer. Pauvre Cicéron est coincé. C'est évident, non? Je transportais ma chère mère adorée. Enfin, pas elle, son cadavre. Elle n'est plus. Je conduis mère dans sa nouvelle demeure. Une nouvelle crypte. Mais ta fichu roue! Fichu roue de chariot! Elle s'est cassée! Vous voyez? Je vais vous tailler en pierre. Oh oui. Vous pouvez en effet aider pauvre Cicéron. Allez à la ferme Laureius. Juste là, en quittant la route. Parlez à Laureius. Il a des outils, il peut m'aider. Mais il ne le fera pas, il refuse. Persuadez Laureius de réparer ma roue, et pauvre Cicéron vous récompensera. En pièces d'or, de belles pièces luisantes. J'ai regardé des meufs de Suisse là qui fait elle a fait créer son truc Twitch, j'ai regardé des quelques spectateurs, j'ai tout capté ce qu'il fallait faire. Il faut faire des trucs mec, genre ouvrir des trucs, je vais faire des commentaires dans les matchs de foot sur Twitch mec, quand il y a le Real Tizou, je vais faire des trucs comme ça frérot. Ah bah. Je vais faire, ouais, je suis en malade mental là, ça m'a ouvert des portes, cousin, pose cette caméra mec. Ouais, bah j'ai de la facile. Mais du coup, je peux faire sur l'ordi tout, écoute, mardi, je t'explique, mardi soir, cause, y'a rien à l'autre. T'as qu'à aller t'en acheter aussi, bon, ouais, je la prête en attendant. Bah oui, on attend que tu la prêtes. Ouais. Si, ah, si. Ah, on t'entend, quoi. Non, mais je m'en bats les couilles, j'ai pas connu. Ah, là, je l'ai juste. Salut, les amis. À part ça, quand t'as mis « Hey guys », tu crois que j'avais marqué moi-même « Hey guys », c'est pour ça que t'as... Mais non. Ah, parce que c'est un emoji, ouais, ça marque ça. Que... Moi, j'ai réussi à mettre emoji, t'as vu? Comment ça, t'as... Ouais, ouais, je suis pas moi. Bah, j'ai fait avec Nathan sur Twitch, là, ça marche pas. Moi, j'ai fait, là, je comprends pas, je suis avec le téléphone, là. I don't know. Ah, mais parce que tu vas peut-être sur le mauvais truc, faut taper sur les bons trucs. Les emojis du clavier, pas les emojis de Twitch. Ah, ok, ouais. Ah, ici, ok. Ah, bah ouais. Mec, alors je t'explique où j'ai chopé le compte à Ali, frère. J'ai le dernier Spider-Man là, Miles Morales, ou bien le dernier Assassin's Creed Valhalla. Ok. Quoi, mec? Attends, je vais changer le micro. Deux secondes. Avec le temps, mon temps respire tellement de bœuf, je sais pas pourquoi. Là, mais le casque est sèche, hein. Caca. Pour moi, cette robe, c'est une question d'argent. Vous l'avez vu? Tu te vois le piste, cousin. T'as vu? Je change la porte, le paramètre. Une boîte. Il dit que c'est un cercueil et qu'il y a sa mère dedans. Tu parles. Elle peut contenir n'importe quoi, cette boîte. De la contrebande de guerre, des armes, du skooma. Très peu pour moi. Quoi? Vous êtes qui, au juste? À peine arrivé, vous me dictez déjà ce que je dois faire et pourquoi? Pour aider un... ce fou? Persuasion. Dites, je... Oui, vous avez raison. Fou ou pas, cet homme a besoin d'aide. Si je lui tourne le dos, qu'est-ce que ça fait de moi, hein? Vous faites... Merci. Je m'excuse de mon manque d'amabilité. Si vous allez voir Cicéron, dites-lui que je fais de live, hein, j'ai une trentaine de vues par live.
C'est bien, il faut les avoir en même temps, cause. Pour réussir, ah, cause, t'inquiète. Bon, déjà, tous mes potes qui vont m'ajouter, là, ils vont t'ajouter aussi. Non, mais de toute façon, ouais. Moi, demain, je vais essayer de changer de play, voir si ça résout la qualité graphique. Mais j'ai été voir des lives l'autre fois, et quasiment tout le monde, il y a ses petits carrés. C'est bizarre. Ouais, bah oui. Cause, nouveau cadeau prime, oui. Pauvre du premier lieu, ok, mais comment ça va se passer? C'est vrai? Vraiment? Oh, quelle chance! Je commence à avoir faim, j'ai rien. C'est moins de 100! J'exulte, je suis fou de joie! Il n'y a pas de mots! Mais surtout, ma mère vous remercie. Pour la paix, dès lors, j'ai cherché une guitare, mais putain. Pour cette bonne action. Sont déjà arrivés ou pas? Oh, j'apprécie. Merci encore. C'est la thune de GTA. On s'est tous les premiers déjà, hein. Et puis là, voilà. Moi j'ai reçu 500 000, je sais pas pourquoi ils m'ont donné. Ouais. C'est cool. Ils sont gentils alors. Bah, peut-être que tu vas aussi les avoir, c'est ça que je veux dire. UFC 4, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivé ici. Putain! Oh putain! Un dragon! Un dragon! Ma fille! Suis-moi dragon, suis-moi, n'aie pas peur. Il se pose là, avec des bombes. C'est parti. Tourne en Warzone, il faut faire du Warzone mec, putain, quoi c'est ça? Des petites Warzone, ça marche. Warzone, laisse tomber, ça. Mais cool, putain, joue avec moi, on fait des duos, on fait des lives, de ouf. Oh mec, ça c'est des lives, frérot. Ça me prend 500, ouais. Non, ça va pas trop. Non, mais attends, ta gueule. J'ai dit, si j'essaie de changer certains, je pique ça va mieux sur l'autre play pour les lives. Effectivement, je peux peut-être prendre Warzone. On va les dire, je peux tôt. Direct. Direct. Hop là. Ok, il est dragon. Meuf qui joue avec. Qui? Meuf. Non. Ouais, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, tu fais de la chirurgie esthétique. Tu fais des 1, 2. Il va pas se casser le dragon, ah si. Ah non, c'est bon. La musique elle a bugué, il n'y a pas la bonne idée. Et comment on fait pour se pousser dans les vidéos? Je te jure, je comprends pas. Putain. Derrière mon cheval, fils de pute. Où mes compagnons là, putain de merde. Oh, quoi. Ah là il y a la chèvre, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te la bouffer. Il y a un géant qui va attaquer le dragon.
Il y a le genre, il va taper. Il fait quoi? Ah, il fuit. Ah, il me saoule le dragon. Allez, viens là, fils de pute. Viens là, méchant dragon, pardon. Excuse-moi. C'est bon, il s'arrête là, voilà. Oh putain. Eh, mais il est insupportable ce dragon. Tu vas te calmer, oui. Essaye de m'attirer en dehors de la ville, c'est une stratégie d'attaque. Viens là, petit salaud. Mais. T'es une queue spéciale, lui. Il a une queue. Tapez fort, quoi. C'est bon, bon. Moi, j'aimerais réussir à le tuer, à ce rythme. Ça va plus vite attaquer le soldat que ça va n'importe quoi. Va mon cheval. Non. Ah voilà, c'est bon, vas-y géant, tape-moi ce truc. Regarde parce que je me fais buter un point. Pourquoi pas faire. Il va m'attaquer. Les gens, il va me tuer. Non. Non, j'ai rien fait, moi. Je suis bloqué. Fuck. Secours. Putain de merde, presque. Je sais pas. Comment faire, lui? Ah mais mec, je vais mettre une demi-heure à tuer un dragon. Allez. Oh putain, le géant qui m'attaque. Mais gros, il est sérieux ce géant, mec. Aidez-moi, secours. Un géant qui veut ma peau. Et il vient, il vient.
j'aime pas. Cause, je cherchais pas comment faire pour enregistrer, mec. Toi, ça t'enregistre direct dans le studio. Mm-hmm. J'ai vu une fois la case. T'es il s'est réanimé le fils de pute. J'ai une case, il y a un truc qu'il faut sélectionner, genre pour. C'est quoi là, faut que tu me dises absolument, frère. Donc, bah, c'est sur le site, si tu vas sur. Je suis dessus. Twitch, tu vas sur des paramètres, options, tu regardes un peu tout ce que tu peux, puis tu verras. Alors si tu vas sur les options de Twitch, un peu partout, tu vas bien trouver, c'est un moment où c'est marqué sauvegarder mes vidéos après diffusion, tu mets oui. Mais c'est pas ça. Je peux pas. Améliore le visage du stream en activant une solution de secours. Ah, mais c'était qu'une diffusion précédente, enregistrée tout effectivement le stream pour 4 jours, putain, mais juste la bonne idée. Bah ouais. Caca le chouïa. Ah, mais t'as rien, t'es fou. Putain, je suis con, je suis en flamme bestiale. Putain. Putain. Non. Non mais ouais, bah oui, c'est sûr que là... Je vais combattre tout seul le dragon, yes, cool. Oh non, dis-moi pas ça. Mais non, mais t'es sérieux? Il va créer les tonneaux.
Ah, puis il va là-bas en haut, mais là, mais c'est pas possible. Enfin fini de buter ce putain de dragon. Lève ce chèvre. Alors, la petite chèvre, on va lui donner quoi? On va lui donner ceci. On va lui donner... Mais c'est quoi ça?
Alors. Le cadavre du méchant. Cacara. Chubita. Tu fais des lives commentaires Naruto, Boruto, tu vas faire succès là. T'inquiète, je fais tout, mec. Je fais des commentaires sur les frères séries, frère. Déjà, le premier grand truc que je veux faire, c'est le match mardi Champions League, gros. Ouais, mais c'est là, il y en a déjà plein, mon petit gars. Mais ça, sauf que, mec, y'a personne qui veut le Real comme moi, mec. Moi, je vais faire que les matchs du Madrid, mon gars, c'est que t'as pas compris. Ok. Ah, t'as genre Madrid spécial, quoi. Édition Madrid. Ah ouais, cause que Madrid, que les matchs du Madrid, 100% Madrid. Ah, mais mec, je peux pas regarder un autre match de foot, ça me casse les couilles, y'a pas un grand match. Encore contre les grands matchs. Ouais, je vais faire quelque chose avec Lausanne. Alors bon, Lausanne, ce week-end. Ouais, bah ça, là, tu peux faire quelque chose parce que la vie de ma mère. La vérité, y'a personne qui fait, frère. Putain, tu m'as donné une putain d'idée. Championnat 6, quoi. Ouais, championnat 6, c'est maintenant. Enfin, non, les clubs romans, parce qu'après. Bon, après les romans. Enfin, non, la première division. Enfin, je sais pas, ta gueule. Mais faut regarder l'entraînement de la première division, c'est trop chiant. J'ai regardé la structure de Ligue Suisse. Non, moi, j'aime bien. Je suis consultant Ligue Suisse. Mais... Après, ils m'ont dit, bon, continuez à la télé. Je ferai lendemain, on va consulter. Ouais, t'es malade, quoi. C'est... Alors, je trouve qu'il a fait une passe derrière, il a bien joué. En plus, ce serait ça. Oh mon dieu, mec, il y a des questions qui sont très drôles. Je crois que bon, ma télé, mais putain, il parle de quoi, ce Théo? Un commentateur suisse de plus, voilà. Bah oui, bah écoute, c'est ça. Ouais, ça va, oui. Pour tout te passer de vœux, et puis à perdre la barre, là. Merde. Bon, c'est bon, retournons à la maison. J'ai combien de thunes d'ailleurs? 3000, putain, c'est pas assez. C'est un Word, hein. T'es sur les boîtes de niche. Alors vas-y, moi je vais dans cette. Il a téléchargé. Ouais, en fait, non, moi je sais pas, je vais avoir Warzone, ça me saoule. Je suis mal. Je suis saoulé, c'est pas grave. Je mets pas, mais 100 gigas juste pour jouer un jeu. Enfin, en mode. Mais c'est moins, c'est 60 gigas. Tu prends pas le jeu complet. Tu vas sur le store, frère, et tu mets juste Warzone. Je crois que c'est 60 gigas. Frère. Ouais, bah ouais, non, mais. T'as besoin d'un petit son en fait. 100. Tiens, gigas. Tout à fait, j'ai une giga 2. Alors attends. Mais t'as deux pays, connard. Ouais, c'est bien en civil, parce qu'on arrive à la ville. Et ton hôtel, là, c'est le bug des manettes, c'est passé. Ouais, bah oui, j'ai juste débranché, j'ai mis la play 3 quelques secondes, et puis boum, ça. Mmh. Ça, quoi. Non, parce que la play à Nico, il avait lâché comme ça va pas revenir. Non, bah ça va. Ça va pas lâcher comme ça, c'est revenu. Caca. De toute façon, un bug d'écho de manette, j'avais déjà eu, mais là. Puis du coup, j'avais fait pareil, j'avais débranché la play complète, puis remis, puis après ça trouve ta manette. Chiant. Bah non, c'est pas le plus chiant, les bugs les plus chiants, c'est quand tu peux pas rallumer ta play, quoi. Quand tu peux pas rallumer ta PlayStation. Tout à fait. Alors, on va enlever cet arc. Bon, normalement, je vais recevoir la hache légendaire des loups garous. J'espère que c'est le cas. Mais j'ai encore une mission, je sais quoi, pas. C'est cheval, ça. Quoi? Quoi, c'est cheval? C'est quoi, c'est cheval? C'est quoi, c'est cheval?
Parce que moi, en plus, je croyais que j'avais perdu le mien, là, ici. Mais en fait, j'avais perdu, du coup, j'ai racheté un nouveau. Maintenant, j'ai deux chevaux. Enfin, deux chevaux. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. En fait, on peut acheter un cheval par châtellerie. Comme ça, après, on a plein de chevaux partout, et puis c'est super. Et puis, cool, quoi. Et cool. Et puis voilà, quoi. Ouais, je commence à être bien, mais mon hardcore légendaire, ça devient de plus en plus facile. Donc, Frère, t'as geeké comme un porc. Oui, mais je suis à peine au niveau 23, gros, puis ça devient que les donjons, je les fais les plus durs, quoi. Donc c'est un peu space. Bon, après, je dois m'utiliser mes collègues, quoi, sinon je crève. Avant, je me fais 4 quand même plus facile que Fallout, toi. T'es fou, pas du tout. Je me faisais chercher à faire un donjon avec et tout. D'un coup, je me fais toucher une seule fois tout le donjon. Je me fais one shot, hein. J'étais là. Ah. D'accord, en fait, faut pas le faire une fois. Je dois mettre 400 coups d'épée pour buter un type. C'est abusé. Mais bon, petit à petit, ça va venir. Là, j'ai augmenté mon niveau d'épée. Encore un petit peu. Alors, bon, c'est la nuit. On va aller faire dodo. Non, on va d'abord là-bas. Non, on va faire dodo. On va faire dodo. Vous cherchez quelque chose? Hop. Je vais me rouler. Quelque chose de très bon. Ça, c'est pour la bouffe. On a chopé des livres. Des livres ou l'herbe. On a chopé plein de livres très très puissants. C'est super. Bah écoute, on va aller quoi en fait? Ok. T'es un peu gros con, t'as fait un trizo, t'as un peu. Je sais que les trizo, c'est vrai que ça y en a beaucoup. Je pensais pas que tu en faisais par ici. Ouais. J'ai le coup de niveau de 36 qui a la forêt. Ouf. C'est le chromosome 1 qui avait foiré, je sais pas. Il y a tout qui a foiré, mec. Ils ont tous fait les rangs. Capou, capou. Tac, ça se fait ensuite. Tout un pin. Toujours réjouir ces objets qu'on a acquis quand on rentre de Mycélium. Tel que ça, ça, voilà. Ah, c'est Julian del Barrio. Ouais, le barrio, ouais. Alors, il est venu avant, il m'a dit salut, c'est tout. Il a juste dit ça, il est parti. Voilà. Je vais le quoi. Alors. Alors. Alors, alors, alors. Skyrim. Les morts vivants fuient, ouais, mais non. Mais oui, en fait. Arc elfique sanctifié. Que son nom soit sanctifié. C'est un poste à The Hundred Men. Voilà. Ça c'est foutu. Je ne peux pas la démanteler. Alors je vais la laisser là. Voilà, ça m'allège un peu tout ça parce que j'étais extrêmement lourd. Je sais pas quoi commencer, mais que ce soit le nouveau Spider-Man, là, soit Amalel, là, comme je dis. Alors, moi, je dirais soit tu veux faire un jeu de bagarre, soit tu fais un jeu d'exploration de ouf. Moi, je dirais Valhalla, perso, mais bon. Après. L'exploration, mais Spider-Man, c'est un jeu de. Ouais, ouais, bon. Valhalla, par exemple. Vas-y, cool. Alors. Bah oui, c'est quand même le jeu, si là, tu peux jouer, mec, c'est le jeu qui a fait le plus. Parler de lui ces derniers temps. On a supprimé les données de stockage. Ça, on garde, ok, cool. Boum, et puis qu'est-ce que je dois faire encore là? C'est bon, je suis tout posé, je peux aller. Parchemin, les parchemins, on avait dit.
Les parchemins, je les mettais où déjà cette merde? Parchemins, non? C'était là. Je vais les poser, je dis jamais, je vais me garder. Enfin, quoi que. Allez, je les garde en fait. Ouais, je les garde. Ok, cool. Go. Je vais dormir. Pourquoi je dors que 3 heures? C'est pas grave, c'est très bien. Je suis votre épée et votre bouclier. Il faut que je cuisine un peu là. Oups. Ta meuf? Quoi? Ta meuf là en haut? Non, c'est moi. C'est mon. On sait plus quoi là, ceux qui me protègent. Mon muscal ou je sais pas quoi. Non, là par contre je peux me marier, du coup faut que je trouve gentiment. En vrai, je peux me marier avec elle si je veux, mais bon. Mais cette là, c'est qui la plus bonne? Je sais pas, c'est pour ça que je cherche un peu en fait. C'est... Tu sais que tes compagnons, tu peux. Enfin, ceux que tu veux avoir en compagnon, quoi. Du coup, je sais pas qui. Mais vu qu'elle, elle veille sur cet appart, tu vois, je vais la laisser là, je vais pas me marier avec. Puis je vais me marier. Elle va être ailleurs. Ah, tu te maries dans la maison là en haut, là. Bon, après, je peux construire 3 villas, plus les maisons à Marcart, machin. Enfin, il y a des millions de maisons, quoi, dans ce jeu, c'est pas comme. Enfin, tu vois, quoi. Je vais choisir où je vais mettre quoi. Enfin, c'est long, hein. C'est un jeu très long, donc là je suis qu'au tout début. Donc, il est les 40 heures de jeu. Hein. Oh, 16 heures de live d'aventure, là, calme quoi. Bah là, je suis passé 16 heures de live parce que je suis passé de rien à tout quoi. C'est quand j'ai commencé la partie. J'ai fait 16 heures d'un coup, puis là j'ai fait des petits lives de 3-4 heures, j'en ai fait 3-4, ça fait déjà ouais, un peu moins de 40 heures. T'es reparti pour une session, tu devrais marquer ça comme une session 16h non-stop, comme Cyril Hanouna sur TPS. Non, je sais jamais quand c'est que je vais arrêter. Putain, voilà, je dis de la merde, je fais de la merde. Putain. J'arrête quand j'ai plus envie de jouer, quoi, mais j'ai joué beaucoup. Alors, on va se cuisiner des petites soupes au chou, ouais, parce que j'aime bien les choux, moi. J'aime bien les soupes au chou. Hein. La bonne soupe aux choux, chou. Qu'est-ce qu'il y a des choux? Elle est chaude. Elle est chaude. Ah frère, je me bute tout seul, mais je suis un malade mental. Je me bute tout seul, ça se trouve, ils écoutent là, ils rigolent aussi, je ne sais pas. Ah, il y a des gens qui rigolent. On est quatre. Tiens, il y a des gens. Ah non. Les autres ont sans doute fini de préparer les funérailles de Kodlak. Bah, tant mieux, c'est les amis. Venez à la forge du ciel. Salut copain. Bon. Je vais mettre quoi là? Ah tiens, des petites vaches. Que des petites vaches. J'ai mis des petites vaches. C'est cool là, en fait, maintenant que je sais comment on peut mettre des vrais petits logos là, ça marchera plus capou capou quoi. Ah bah avec l'ordi tu peux pas te faire, putain, casse les couilles. Casse les couilles. La réunion, c'est parti, j'ai fini les compagnons je crois. Ouais, je crois que j'ai fini les compagnons. Je m'en occupe. Ah ouais. Ouais, regarde, y'a tout le monde qui est là. Devant l'ancienne flamme. On va réveiller le chef. Pardon, quelle terrible perte. Oh, nous sommes le problème du chef là. C'est moi le vrai chef maintenant, je vais venir là. Nous crions. Et pour nous-mêmes. Tu es là. Nous partons. Au revoir. La photo, ça c'est la photo, là je la prends maintenant. Tu es là. Capture d'écran, comme ça, ça sera la petite photo de la compagnon. Je suis content. T'es contente. Elle est contente. Mais j'ai faim, j'allais bouffer un truc vite, je fais quoi? Je fais des frites. Juste à attendre une heure. Ça passe vite quand tu passes le four, tiens, t'as pas le mot. Je sais, ça passe vite, je sais. Deuxième photo, c'est pour quand il brûle. Ça, je peux choisir le moment que je veux. Troisième photo, quand il brûle. Ah, c'est elle qui était au milieu, pardon, excuse-moi. Son esprit nous a quittés. Membre du ciel. Bien sûr. Rendons-nous à la basse forge pour nous recueillir ensemble. Ça, moi je me suis trouvé dans le loup-garou, j'ai bouffé tout un donjon, j'ai pu mettre deux capacités loup-garou. C'est pas mal ça. Deux capacités loup-garou. Alors, avez-vous mis la main sur les fragments de Vutrad? Je vais devoir les préparer à nouveau.
Oui, j'ai les fragments. Attention. Vous ne pourriez pas augmenter le nombre de fragments. Bien sûr, j'ai un petit service à vous demander. Il y a un autre morceau que Kodlak garde toujours près de lui. Pourriez-vous vous rendre dans ses appartements et me le rapporter? J'ignore si je suis la personne la mieux placée pour fouiller ses affaires. J'ai fini la merci, putain je serai ici. Compagnon. Ça c'est une avancée. J'ai trouvé une vache. Laissez-moi. Une vache, moi je te mets un cheval. Laissez-moi tranquille. Ouais. Avec une petite... Diego, on cherchait ce qu'ils veulent. Genre la hache de compagnon bien en tenue du loup, je serais un putain de compagnon ultime. Ça va chier des Bulgaries. Oh ces trucs là. Je suis tout content vraiment que j'ai fini ça mon gars. C'est la joie ultime. Presque envie d'arrêter mon live là, mais non, je rigole. Ah un cheval qui pète en plus. Bien ça. Ah, je vais t'en faire une pas mal. J'aime pas. Oups, j'ai volé une assiette, je vois qu'ils ont pas vu. Je vous la rends. Pas de panique, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Tenez votre assiette, elle est où? Tiens, je me donne même une en bois. Voilà. Journal de Kodlak, je vais pas me faire chier à le lire, même si ça va être super cool. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a là? Vol, c'est que du vol. Bon, il est mort, je peux lui voler ça. C'est que ça. Oh, il avait une gemme, le salaud. Je vais télécommande banane. Ça veut dire quoi? Ah, je vois pas les... Ouais, je vois télécommande banane goutte d'eau. C'est quoi télécommande? C'est pas une télécommande. Une manette, hein. C'est une main? Ah, mais c'est une main, il y a un truc dedans, mec. Ah non. Bah non, y'a rien dedans, mec, t'as trippé. C'est une main qui fait coucou. Coucou banane haut. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais. Ouais, c'est pas très. C'est pas très intelligent, là. Ah, tu mets une clé, je comprends pas. Non, je tape pas. Vas-y, coupe pas, vous tournez. Il me dit d'aller là, moi juste là-bas, mais c'est quoi le problème? Carte, tac, save, hop. Donner le dernier fragment à Erul, mais il est où Erul? T'es sérieux? Il s'est cassé. Ah, mais il habite là en fait, c'est un gris toison, je suis bête. Suis-je bête? Puis-je vous aider? Puis-je m'aider? Oui, alors je veux parler à ce... Vous voilà. Saligo. Merci. Vos frères d'armes se sont retirés dans la basse forge. Je pense qu'ils vous attendent. Faire connaissance avec le cercle, mais je connais déjà le cercle. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. Les trophées des compagnons, après je passe directement soit au mage, soit au voleur. Donc, qu'est-ce que je fais, mage ou voleur? C'est la question. Voleur. L'homme avait un dernier vœu avant de mourir. Voleur. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ah, c'est des ouf les voleurs. Vous avez tort de croire que c'est une malédiction d'être un loup-garou, Vilgas. Oh, j'ai pété mon nom. Je serai toujours un loup-garou. Il a pété un nom. Vous voulez rencontrer Iskrador et connaître la gloire de Sovngarde. Je l'ai pété. Cela lui a été pris. Et vous l'avez vengé. T'es soigné, toi. Kodlak n'aimait pas la vengeance. Non, il est tombé. Non, Farkas. Et ce n'est pas le sujet. Nous devrions rendre honneur à Kodlak. Quelle que soit notre opinion, c'est pas le sujet. C'est ce qu'il voulait et il l'a grandement mérité. Kodlak parlait souvent d'un moyen de purifier son âme.
Non, mais je veux rester un loup-garou, hein, ça c'est sûr. Vous connaissez les légendes du combo d'Iskavor. L'âme des héros répondra à l'appel du fer du Nord. Nous ne pouvons même pas. Je vais appeler mon pote Lastranar, ça, pour, avec nous là. Viens, comment on fait quand tu veux faire un stream? Imagine, je vais faire un stream avec l'ordi là, et je vais mettre ma tête et puis le truc qui est au-dessus. Les choses sont ce qu'elles sont, mais pas nécessairement ce qu'elles devraient être. La lame est une arme, un outil. Les outils sont faits pour être brisés et réparés. Réparés. Avez-vous réparé la lame? C'est la première fois que je réunis tous les fragments. Il a la lame. Ici présent. Les flammes d'un héros peuvent reforger ce qui a été brisé. Les flammes de Kodlak feront renaître mon chien qui le bloque. Aujourd'hui, elles vous emmèneront à sa rencontre une fois de plus. Toto, pousse-toi. Comment je ferais pour le pousser, lui? Allez. Voilà, ça me bloquait parce que le chien est bloqué. Le chien, il bloque le monsieur. Au secours. Ah, mais je sais, je suis con. Je vais là. Poussez-vous. C'est bien. Tu peux avancer. Merci. Puisque vous avez rapporté les fragments, je pense que c'est vous qui devriez brandir Vutrad pendant la bataille. Ah, la bataille. Quant à vous autres, préparez le voyage jusqu'au tour. La dernière bataille, ça me saoule. Bon bah Vutrad quoi. Allez où? Vutrad. Particulièrement meurtrier contre les elfes, moi. Gramor pour Kodlak. Allez au tombeau d'Isgramor. D'accord. Alors, s'habillons le garou d'abord. On va s'habiller en le garou. Sans Vignar, je serai mort. En effet. On a besoin. La sécurité est effroyable à Blanche Rive. Honteuse. Plus de collègues, je prends elle, je crois. Vous êtes. Vous voulez un petit conseil? Ne perdons pas de temps. Là, je l'ai traumatisé en transformant. Ah, mais non, faut pas que je prenne. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Alors, je vais rentrer. Comment je fais pour vous savez où me trouver en cas de besoin. Ah, parce qu'en fait, il faut que je vous transforme en loup-garou, ça va pas le faire. J'aime beaucoup. Que puis-je pour vous? Pas de problème, elle est à vous. Merci je vais beaucoup. Vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Ça, bah, ma chambre, elle est là, en haut. Tac, tac. Merci. Alors. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le-moi savoir. Au revoir. On va tout simplement aller. Je dis ça. On dit que j'ai 3700 de l'orge. 4000 là, je peux acheter ma maison, 11 heures de la ville. Et ça, c'est super. Pour Kodlak. Ouais, pour Kodlak. Ah, il dit juste ça. Ouais, ouais. Okay, bon. J'ai pas le choix. Ouais, Alors, oui, la recherche. Et puis là, tu mets. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi tant de hâte? Parce qu'on va manger Kodlak. C'est où ce truc? Ah, c'est là en haut. C'est, putain, c'est encore plus long qu'avant. C'est à côté de Fort d'hiver, voilà. Elle est où, petite chèvre? Ah, petite chèvre. La petite chèvre, on lui demande le matériel.
Tu me donnes tout, tu me donnes tout. Mais il est où le bouton de pression, frérot? Mais ils sont tarés, je l'ai jamais vu de ma vie, moi. J'ai des... Je ne prétends pas être la meilleure forgeron. Épée, casque. Oh, c'est pas de merde. À peu près tout ce qu'il vous faut. On connaît le 10 secours de la. Tam. Tout le monde devient papa. Achète le fil, tu es une maman à la main. Frère. Halt. N'oubliez pas d'aller voir la lumière. Je vais mettre ça là. Maintenant. Tenez, je vous donne des sécailles de dragon et des os de dragon. C'est gratuit. Offert par la maison. Les derniers honneurs ont été rendus à Kodlak Blancra. Putain, mais je prends toujours les touches. Alors, la tenue pour ce fight sera la suivante. Les bottes spéciales, le casque magique, le gobelet. Qu'est-ce que je fais? Alt and scroll. Bram vivre éternellement à Sauvegarde. Mais il devient taré, il a l'impression de prendre. Mais c'est ça, c'était tout, je sais pas. Ah merde, il faut un campement. Ah putain, ça en souffle. Tu joues là quelque chose? Je sais pas, presque. Que fait-il? Je trouve. Dire qu'il y a 3 jours, j'étais là au tout début du jeu à galérer à tuer un loup. C'est pas de la main d'argent, tous les bouffer en moi de loup-garou. Avant tout, il me faut une hache. C'est bon, monsieur. Campamang, il me faut du bois et du cuir. C'est bon, par contre, le bois. Poussez-vous, le chien, poussez-vous. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame? Je suis à la recherche d'une hache.
pas de hache ici. Eh non, putain, fais chier, comment je vais faire? Que les divins soient avec vous. C'est que monsieur... Je suis déjà promise, vous savez. Alors ne vous faites pas d'illusions. Est-ce qu'ils vendent des haches, là? Le fer ou l'acier, voilà. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Je vais couper du bois. Ah, vous savez, vendre des pioches, mais pas de haches. Putain, mais ça me fait péter un plomb, là. Mm-hmm. Il faut du petit bois. Ah, peut-être là-bas. Mes amis, des verdures. Peut-être ont-il du des haches. Vous aider? Puis je mets les oui, alors il faudrait une hache si c'est possible. Partir. Comment ça vous devez partir chez votre ami, moi? Je vais chercher une hache. Vous devez partir. Oh, j'ai bien fou. Je vais retourner chez moi chercher une hache. Prenez une hache et ramenez-moi autant de bois que vous pourrez en trouver. On va échanger leur tour, je peux pas. Kodlak tué, Yorvask attaqué. Comment de telles choses peuvent-elles se produire à Blanche Rive? Non, je peux pas faire des sculptures. Ah ouais, non mais là, le coup de la hache, ça... Ah, là, c'est bon, putain. Pff. Merci. Couper du bois. Je vais voir si j'ai un truc à grignoter parce que je vais crever sinon.
Puissent les dieux un salaire honnête pour un travail honnête. Rivebois est relativement agréable pour un village nordique. Dites, vous êtes à l'arche. Regardez donc. Tu veux pas mettre en grand et puis que tu vois les commentaires en même temps ? C'est impossible ça. Quoi? Quoi? Ah, oui, tu peux, mais faut que je reste sur la chaîne. Ça. Toi, tu regardes, tu vas regarder depuis l'envie de la télé, les commentaires, tu vas te dire que tu vas. Tu peux gérer le stream. En fait, faut que tu mettes ton attel à côté, puis mon grand là, puis tu mets ton attel à côté, puis tu mets donc gérer le stream, puis tu vois tout ton stream, comme ça tu peux tout gérer, puis c'est là que tu vas les commentaires. Je sais. Allez, où est là? Il est là! Il est là! Mais... Par Shore, que voulez-vous? Bon, pas. Il y a aussi une beauté. Ma chèvre, elle a disparu. On va faire appel à par la magie chèvrale. Effectivement. Oh, tu gardes un cup, non? Ah. Putain, on m'attaque. Là. Aidez-moi, une sorcière me poursuit. Souhaitez-vous aller? Je souhaite aller à Fort d'hiver, je ne suis pas encore pas allé. Remontez et nous partirons.
Il est où mon chien? Ouais, bref. Pourquoi peut-il tout le temps? J'ai plus mon chien. C'est une blague. Ah non, mais ça va pas ça. Ah non, mais ça va pas du tout ça, j'ai plus mon chien. Ah putain. Ce monstre horrible avait explosé. Qu'avez-vous fait ? C'était une petite erreur de calcul. Je l'ai corrigée pour mes expériences futures. C'est la raison pour laquelle votre académie pose un problème aux gens, Nélagar. La ville des mages. Je ne m'occupe plus des candidats à l'académie. Mes jours à l'académie... Non. Plus depuis des années. Oui, soient les dieux. J'ai quitté Fort d'Hiver un certain temps et je suis revenu logé à l'auberge. Ah. Je suis toujours bien occupé par mes recherches. En restant à Fort d'Hiver, je peux être en contact avec d'anciens collègues. D'accord. Mmh. Si vous avez affaire à l'académie, vous pouvez rester ici. Bien peu de choses, j'en ai peur. Fort d'Hiver n'est plus ce qu'il était. Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit, allez voir Birna. Son magasin n'est pas très bien achalandé, mais il ne refusera pas un peu d'argent. Et puis, il y a notre petite auberge. Nous faisons surtout affaire avec les gens venus visiter l'académie. Mais même eux se font rares. Ok. On raconte que quelqu'un à Fayez sait vous donner un autre visage. Maudit. Oui, l'académie de Fort d'Hiver au nord de la ville. Difficile de la rater. Pas de problème, elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est bon, j'ai trouvé, monsieur. Si je dors 10h, ça fera 8h du matin, c'est parfait. Voilà, 7h de temps. Ensuite, on se nourrit une boîte soupe au chou. Ainsi que la filette saumon. Mon petit déjeuner, ça. Je ne m'occupe plus des candidats à l'académie. Alors ce n'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. Ranmir vous a demandé de lui payer à boire. Vous jetez l'argent par les fenêtres. Avec l'argent qu'il doit à cette taverne, on pourrait la brûler, la reconstruire et la brûler à nouveau, juste pour s'amuser. Sa vie n'est pas facile. Mais je ne peux pas le laisser boire ici, alors qu'il n'essaie même pas de rembourser l'argent qu'il doit. Écoutez, je ne vais rien donner. Ne vous gênez pas, il pourrait être assez sobre pour vous écouter. Vous voulez dire dans l'auberge ou à Fort d'Hiver? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Fort d'Hiver vit ses dernières heures. La plupart de ses habitants sont partis il y a des années. Ceux qui restent sont soit trop têtus, soit trop fous. Alors nous faisons de notre mieux pour survivre. D'accord. C'est pas grand-chose, mais on s'en sort. Fort d'Hiver n'a plus guère de commerce. Mais s'il y a bien une chose que vous trouverez toujours ici, c'est quelqu'un qui a une petite soif. Oui. C'est qui arrive, ça arrive à venir. Vous pouvez aller voir ailleurs, sauf si vous payez un coup. Qui êtes-vous pour me dicter ce que je dois faire? Je la rembourserai quand je serai prêt. Vous avez raison. Que diraient mes ancêtres s'ils savaient que je n'honore pas mes dettes? Dites à Anar que je lui apporterai l'or que je lui dois. C'est bien, très bien. Ouais. Attends, je vais finir quand même. J'essaie de boire un verre tranquillement, d'accord? Elle est où cette connasse? Elle est partie. Mais il fait quoi? Il va dire qu'il remiaule déjà. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. Poussez-toi. Elle est où cette conne? Cave.
poète-poète que c'est bon. Ouais, je veux bien, mais... Ouais, poète-poète. Allez, à la cave. On va tester un peu la tire, mais bon, c'est pas très loin là. Hein. Bonjour. Si vous avez faim ou soif, vous n'avez qu'un... Merci. Ce n'est pas un mauvais bougre. Il a juste des problèmes avec l'argent et la boisson. Mon époux Dagur pourrait vous raconter de ses histoires. J'ai ici quelques babioles que Ranmi en nous échangeait quand il payait encore ses dettes. Vous les avez bien méritées. Massacier, armure de fer, au foie. À bientôt. Au revoir. Le père d'Assur, il dit que l'académie cause le malheur. Mais les mages que j'y ai vus, les gens de fort divers sont tous partis. Il n'y a plus qu'Assur pour jouer. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans les vieux forts de Fayez. Il n'y a pas de forgeron aussi. Allons là, quoi. En espérant qu'ils achètent les armes. Bonjour. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Okay. Des babioles, des petites choses. Alors, moi aussi, je vends de tout. Je vends ceci. Une armure de fer piteuse qu'on m'a offerte. Merci, au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Bon, bah, allons attaquer ces... C'est décérébré. C'est derrière. Comment aller là-bas? Il faut passer par... C'est chaud, il faut passer par l'eau. Tac, il va reculer vers le tour là. J'ai appris que Yorvaskr avait été attaqué, okay, que mon chef bien-aimé avait péri. Toutes mes condoléances. Ok, K.O. Il y a du fight là. Plutôt hostile la région. Non. Jamais. Bah.
Ah non. Demeure d'Isgrimor, accompagné de ses plus proches généraux. Faites bien attention. Kodlak avait raison. J'ai laissé la... Je ne regrette rien de ce que nous avons fait. Les ne pensez pas que... C'est seulement qu'ils veulent s'assurer que... Rendez Vutrad à Isgrimor. Ça devrait vous ouvrir le passage. Je dois rendre Vutrad à Isgrimor. Une bagarre. Là. Voilà une bonne chose. Ah, c'est bon, je vais la reprendre. Ok, Vutrad, c'est pour moi. Oh, c'est bon. Putain. C'est bon, c'est tombé sur moi. Il est tombé, c'est une belle petite chose en fait. Qui ? Il est tombé. Ah ouais mais... Ah là là... Crève de bien tu peux... Kodlak là. Vutrad, tout en bas, putain c'est chiant ça... comment faire? Il faut que je m'équipe déjà... Ce que je veux... C'est pas des... Une petite APR... Et puis ça... Et puis là, je prends... Vutrad... Une épée en fer brisé. Ok, la peau. Pour Kodlak. Pour Kodlak. Une sortie de chaque côté. Ok, pourquoi pas. Des pièges tout ça. Pas du tout. Allez. Tous les vivants de notre écran sont venus. Ah, ils disparaissent. C'est la guerre. It's the war. C'est la guerre, ouais, ouais. C'est plus que ça. Vous êtes une honte pour votre race.
Ok. Ah ouais, elle est puissante. Vous ne m'échapperez pas. Vous ne pourrez jamais. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu s'est figé. Vous êtes pas. Le jeu s'est figé. Je me suis fait ça. Ouais. J'ai oublié de quitter. Bon, voilà, start. Coupe la diffusion.